We're going to move on with Marina Marengo, and we're moving now to Italy with a presentation about maps I gather of the community of Casentino. The title of her presentation is in French, and it is Les cartes de communauté de Casentino et leur retombée sur les sociétés locales. Alors déjà, bonjour Marina. Tout le monde. Merci Laurent de m'avoir invité dans ce colloque et enchanté de faire votre connaissance, même si confinée malheureusement. Et les slides là, sont en train de se charger, ça demande peut-être un peu de temps parce qu'il y a pas mal d'images. Je commence à vous dire juste que en fait j'ai choisi de parler des cartes de communauté, des cartes communautaires, parce qu'en fait, je travaille avec je fais de la recherche avec le réseau écomuséal du Casentino depuis une vingtaine d'années, et j'ai fait plusieurs recherches dans le sens de la valorisation des territoires, du développement local, des parcours éno-gastronomiques, etc. Et puis, avec le directeur du réseau écomuséal, en fait, on a essayé de travailler à autre chose. C'est lui, évidemment, qui a fait plutôt le travail sur le terrain, mais qui m'a demandé de le seconder, de l'aider dans le travail disons de cartographie participative dans certains lieux, certaines antennes écomuséales. C'est un peu long à charger, j'espère que ça va aller. Éventuellement, si ça demande, Laurent, tu pourrais peut-être partager, envoyer les PDF aux gens, le PDF que je t'ai envoyé de ces slides. Là, ça avance pas vraiment beaucoup. Donc, je ne sais pas, c'est toujours à un quart des slides. Donc, ça risque de demander un peu de temps. Et je vais essayer aussi. OK. Mais en fait, le PDF, c'est encore plus long et difficile à charger. Donc, en fait, j'essaie d'avancer comme ça. Et puis, dès que les slides seront chargés. Oui, ça c'est déjà à la moitié, donc ça avance un peu. En fait, alors, le réseau écomuséal du Casentino existe depuis la fin du deuxième millénaire. Ça remonte en fait en 1998. Et j'ai commencé à travailler, à faire de la recherche sur le terrain avec soit le directeur, soit les autres composants, les autres membres de ce réseau écomuséal à partir de 2004 avec une recherche officielle une recherche officielle en fait du ministère de la recherche italienne qui a duré 2 ans. Et nous avons participé à toute une série d'initiatives. Et puis, Andrea Rossi, avec qui j'ai justement, c'est le directeur du réseau écomuséal, il a développé toute une série d'activités pour favoriser en fait la participation des habitants. C'est une vallée de montagne qui n'est pas très marginale, mais qui a. C'est de la moyenne montagne qui a perdu pas mal d'habitants, qui a été pas mal industrialisée dans le fond de la vallée, mais les villages des versants ont en partie été désertifiés. Donc, les antennes écomuséales ont permis en fait de créer des associations locales et des groupes d'activités locales où en fait était favorisée la participation des habitants dans la proposition d'activités diverses et des processus pour activer en fait des processus de développement local.
La composante participative, je suis en France, donc c'est en France que le concept d'écomusée est né, s'est défini. En Italie, ça s'est développé un peu plus tard. Ça s'est développé surtout justement à partir des années 90 et ça a permis d'éviter la délitation des liens sociaux, la perte démographique, les jeunes qui ont choisi de ne pas partir, de faire peut-être des navettes pendant les formations ou pour le travail, mais de continuer à investir leur lieu d'origine, toujours à la moitié des slides. Et évidemment, là, bon, dans une slide, je centre un petit peu les sur les questions participatives. D'un côté, le symbole partage, mais c'est en fait ce qu'il me dit, c'est juste. C'est une petite arrow. In the symbols, you have the camera, microphone. Oui, mais c'est là que j'ai changé. Mais le problème, c'est que c'est long. Ça demande du temps. J'ai parfois le même problème quand je charge les slides pour mes cours. Donc voilà, là, on est à trois quarts. En principe, on y arrive. D'ici peu, ça devrait être visible, mais c'est juste, on y est presque. Voilà. On y est, voilà. Merci. On y est arrivé. Non, malheureusement, c'est ça, c'est juste que c'est long. Alors, bon, là, je reprends. C'était le début, vous voyez le début de la présentation, donc où se trouve le Casentino en Toscane. Italie centrale entre dans la province d'Arezzo, le réseau écomuséal qui a évolué un peu depuis ce schéma. Mais vous voyez, il y a toute une série d'antennes. C'est pas un lieu muséal, mais c'est une série d'antennes dans l'ensemble de cette vallée. Le Casentino est en fait la toute première partie de la vallée du fleuve Arno, qui a justement un nom différent par rapport au reste, aux deux autres parties de sa vallée. Et là, justement, l'écomusée du Casentino est centré ses activités. Ces projets, ces activités sur la participation et le développement local, la valorisation des territoires. Ce que je disais concernant justement l'importance de la composante participative dans tout écomusée et tout réseau écomuséal. Et évidemment, ça ne peut pas se passer des processus de participation, des activités participatives et la question aussi du bénévolat. C'est les habitants, la plupart du temps, qui font les plus actifs, qui créent des groupes, des associations, inventent ou proposent des activités ou bien répondent à des stimulations qui viennent de l'extérieur. En pensant à la communication précédente, il y a eu par exemple au cours des années 2000 une biennale d'art, de land art dans les Casentino, puis après à cause des réductions de financement a été suspendue, mais justement c'est dans une optique d'utiliser absolument écologique, durable, d'utiliser les matériaux présents dans les bois et dans l'environnement,
aidés par les habitants, les artistes aidés par les habitants à trouver le matériel pour créer leurs œuvres. Donc là aussi, je dis, ça s'est passé tant qu'il n'y a pas eu la crise de 2008. Bon, il y a eu pas mal de financements qui permettaient en fait d'avancer dans ce domaine. Après, il y a toute une série de manifestations un peu moins internationales, un peu plus locales, mais qui vont toujours dans le même sens, par exemple. Et donc, alors, il y a deux questions participatives de base. C'est d'un côté la consultation et de l'autre côté la participation active des habitants dans l'ensemble de la création et de la gestion des activités du réseau écomuséal. Et bon, la partie participation active des habitants, ça participe aussi aux décisions. En fait, ça n'arrive pas toujours, c'est surtout dans les antennes écomuséales les plus actives, les plus dynamiques, mais en fait, c'est devenu en fait une sorte de participation délibérative. Ça prend les décisions pour un village, pour une vallée, une petite vallée latérale où il y a une antenne écomuséale. Et ça devient assez important parce qu'en fait, les habitants sont absolument, concernés par tout ce qui se passe dans leur village, dans leur vallée. Et je viens aux cartes de communauté. Donc, la question, vers la moitié des années 2000, il y a eu en fait la participation du Casentino à un groupe international qui est Local Worlds, Monde Locaux. C'est une association internationale qui regroupe en fait la plupart des écomusées européens. Et là, il y a eu pas mal de contacts entre le sud de l'Angleterre et le nord de l'Italie, surtout avec deux personnes qui travaillent au Piémont et qui étaient très intéressées au Parish Map anglais. Et à partir de ce moment, ils ont fait une formation avec les initiateurs des inventeurs de Parish Map, l'association Common Ground, et ils ont diffusé en fait cette méthode de cartographie participative. Et le réseau écomuséal du Casentino a commencé justement à la moitié des années 2000. À activer des processus de cartographie participative. Il y en a eu quatre. Le dernier, bon, il ne fait pas partie, en fait, c'est une carte qui ne fait pas partie du réseau écomuséal parce qu'il y a des communes qui malheureusement n'ont pas adhéré au réseau écomuséal et à la communauté de montagne de la vallée. En Italie, ce n'était pas obligatoire d'y adhérer, donc il y a des trous à l'intérieur des vallées de moyenne montagne en particulier. Et les autres, en fait, font partie du réseau écomuséal, et donc ont été pris en charge, toutes les démarches ont été prises en charge par l'équipe du réseau écomuséal. Donc ils ont accompagné tous les processus. Là, je passe rapidement ces slides qui pourront, si vous êtes intéressés, pourront vous être diffusés par un PDF, juste pour expliquer de quoi il s'agit. La carte communauté en France, en tout cas, elle n'est pas très répandue, donc j'explique rapidement de quoi il s'agit. C'est une géographe anglaise qui est à partir de cette organisation, de cette association Common Ground, qui dans les années 80 a créé avec son équipe et les autres associés cet outil de cartographie participative. Et donc là, en fait,
dans une en créant en activant un processus de carte de communauté, les habitants peuvent en fait présenter et composer leur patrimoine matériel, immatériel, focalisé sur le paysage, sur toute une série de connaissances, de compétences qu'ils souhaitent transmettre aux nouvelles générations. Ils ont, selon les cas, selon les processus qui se sont activés au niveau local, ils ont vraiment mis en évidence, valorisé et transmis des compétences patrimoniales de type complètement différent, selon leur sensibilité, selon aussi les compétences des participants. Alors là, la décision de l'écomusée de l'écomusée du Casentino, ben ils ont décidé en fait d'activer des processus de carte communauté parce que c'était important, surtout justement dans ces petites vallées latérales où en fait les questions surtout d'identité locale, d'identité territoriale étaient en train de devenir de plus en plus faibles. Donc ils ont essayé d'activer des processus à partir d'un lieu qui est un lieu d'un antenne écomuséale qui est le musée de la châtaigne de Raggiolo, où en fait il y avait une association très active de personnes déjà disons un peu âgées. C'est un peu ça le problème que parfois se pose, hein, c'est une majorité de personnes âgées qui avaient le temps, les compétences et le temps pour s'activer. Et existait déjà la brigade de Raggiolo, qui est une association qui avait investi le lieu écomuséal du musée de la Châtaigne, antenne locale, où en fait vous voyez quelques images de l'intérieur, donc la salle de rencontres, conférences, fêtes, etc., et des lieux comme le moulin à châtaigne pour moudre les châtaignes et transformer les châtaignes en farine. C'est pas de très bonne qualité les châtaignes de cette vallée, mais la farine elle est traitée d'une manière très particulière et devient elle est à ce moment-là très très réputée, donc elle fonctionne encore. Et il y a eu cette transmission, par exemple, de compétences, de connaissances et de compétences au niveau local. Oula, ça ne se voit pas trop bien, ça coupe un peu, mais en tout cas, alors, la brigade de Raggiolo avait déjà travaillé sur un petit projet financé, j'en avais eu un de financer moi aussi comme université, en fait sur la toponymie locale, parce qu'en fait la toute première communauté reconnue qui a investi Raggiolo était originaire de Corse. Et bon, ce serait un très long discours à développer, mais là en fait ils ont pas mal travaillé sur la toponymie, sur certaines l'utilisation de certains mots, de la forme de certains outils qui venaient en fait de loin. Ça venait de loin. Et la question, évidemment, c'était souvent des personnes, la majorité, c'était des personnes âgées. Ils ont fait un long travail et il y a eu pas mal de tensions pendant cette période dans la récolte du matériel, dans l'essayer d'englober d'autres gens, des jeunes en fait. Ça a marché, c'est le processus a demandé pas mal de négociations pour calmer les conflits internes. Il y a eu aussi pas mal d'erreurs qui ont été corrigées chemin faisant. Et la fin, il y a eu la fin de ce parcours, il y a eu cette carte qui a été évidemment
choisi la base, une base géographique, d'une carte géographique de la région, de la vallée. En fait, déjà, la vallée, quelle vallée? Parce que là, une partie des conflits, c'était justement sur les frontières, sur les limites de la vallée, de la communauté de Raggiolo, qui allait, qui passait la ligne de partage des eaux, allait dans d'autres vallées, parce que il y avait traditionnellement des propriétés, des bois surtout, des châtaigneraies, je crois en français on dit, qui étaient ailleurs dans des vallées, des communes appartenant à des communes voisines, par exemple. Mais là, en fait, vous voyez, ils ont mis, en fait, ils ont inséré à l'intérieur de cette carte communauté ce que les habitants considèrent le plus important d'un point de vue identitaire, du patrimoine local matériel et immatériel. Ils ont récupéré l'ensemble des sentiers, des chemins. Ils ont récupéré les sources particulières qui avaient été en partie abandonnées, et pourtant elles avaient toutes des composantes très utiles, je ne dis pas médicamenteuses, mais très utiles pour l'alimentation humaine, pour résoudre toute une série de problèmes courants. Donc, ils ont réussi à redéfinir, en fait, remettre de contenu dans cette vallée et redéfinir celle qui est une identité territoriale, qui est devenue une identité territoriale forte. En même temps, toujours dans le même lieu, et toujours à partir de la Brigata di Raggiolo, il y a eu, comme il y avait quelques intellectuels locaux, ils ont commencé à mettre à disposition le lieu associatif, le lieu de l'antenne écomusiale, pour faire des colloques, des petits colloques en fait, d'une journée en principe, j'en ai participé à deux ou trois, où en fait sont des sujets très locaux qui sont abordés, qui concernent, qui intéressent et qui concernent la communauté locale. Donc moi, j'ai participé à un colloque sur les terres communes, par exemple, et il y en a d'autres, justement, j'ai mis quelques affiches, c'était sur la laine, la production de la laine dans les Casentines. Il y a aussi ailleurs, dans un autre village, un musée de la laine. Mais là, en fait, il y a tout un travail, surtout historique, mais pas qu'historique. Il y a un travail de pédagogique. Les antennes écomusiales, en principe, font pas mal d'activités pédagogiques, surtout avec les écoles primaires, mais aussi les collèges. Et là, par exemple, c'est la publication d'un petit livre, un petit guide pour apprendre à découvrir le lieu, le village, mais aussi comprendre et expliquer le rôle de la châtaigne, de l'économie de la châtaigne dans cette vallée. Et ailleurs, c'est... toujours encore les activités qui ont été développées, c'est par exemple, je vous donne, j'ai mis quelques affiches, c'est d'un côté la transhumance en fait des Apennins jusqu'au Marem, donc le directeur du réseau écomuséal est le fils du dernier berger transhumant qui partait justement des Apennins pour amener son troupeau de moutons dans les marènes pour l'hiver. Il y a toute une série d'activités qui ont été développées à partir de la récupération de cette activité traditionnelle qui n'est plus faite, on ne fait plus ce type de trajets aujourd'hui, mais on récupère les anciens trajets, les anciens parcours, les anciens chemins
de la transhumance pour faire d'autres activités souvent liées au trekking, etc. Et puis, bon, activité de plus centrée sur les chemins littéraires, donc la géographie de la littérature. Là, c'est en fait, le Casentino est investi par les chemins tout au nord, par le chemin de Dante. Et là, ils ont développé au niveau de la vallée un autre type de chemin toujours lié à Dante, grâce à deux associations. Une association qui est centrée justement sur la valorisation de l'œuvre de Dante, et de l'autre côté, une association qui fait de la pet thérapie avec des ânes. Donc, ils font des parcours. Littéraire entre guillemets, mais surtout en fait ils font de la pet thérapie avec les ânes. Autre carte de communauté, c'est celle de la Alta Valle del Solano, autre petite vallée latérale qui est née avec pas mal de difficultés, dans le sens que les habitants n'étaient absolument pas intéressés à faire une carte de communauté. Ils voulaient faire une expo des anciennes photos qui étaient dans les boîtes, dans les cartons cachés dans les armoires des familles. Ils ont fait cette première exposition et puis, ben, d'un coup, ils ont dit « mais peut-être qu'une carte de communauté pourrait être intéressante ». Mais ils ont voulu en faire une pour chaque petite à l'intérieur communauté, donc chaque hameau à l'intérieur de la vallée, pour arriver à en fin de compte. Vous voyez là, c'est chaque j'en ai mis deux, mais chaque hameau a voulu sa carte communauté pour arriver à une carte commune, en fait communautaire, qui a donné pas mal de, disons, d'idées pour continuer le travail et pour que le dynamisme ne disparaisse pas. Donc, ils ont commencé à faire toute une série d'activités avec les Beaux-Arts au niveau provincial, avec l'Université de Florence pour récupérer un pont romain. Ils ont par la suite réussi à récupérer, par exemple, toute une série de petits, disons, petits patrimoines mineurs. Hein, de petites églises, des chapelles, des sentiers, des murs en pierre sèche, et les lavoirs étaient récupérés. Donc, ils ont en fait réussi à grâce à ces groupes de gens qui, au bout d'un moment, ont compris l'importance du travail participatif et de la continuité de ce travail, ils ont réussi à mettre sur pied toute une série d'activités et à collaborer. Ils ont souvent justement des étudiants, des doctorants qui travaillent sur le terrain, qui font du terrain, etc. La dernière, la Mappa di Comunità de la Valle Santa, c'est dans une petite vallée très reculée, tout proche de Chiusi della Verna, qui est l'un des lieux réputés et députés à Saint-François d'Assise. Et disons, le travail avec les habitants était assez complexe, parce que cette vallée si reculée, en fait, a été investie à partir des années 80 par de nouveaux habitants. Surtout, c'était des babacools allemands qui avaient choisi d'abandonner leur terre pour s'investir dans un lieu où il y avait ils pouvaient reconstruire leur vie de manière tout à fait différente. Ils ont eu au fil du temps pas mal de problèmes avec les habitants. Ça a resté dans le sens que il y avait vraiment des communautés assez séparées. Et puis, au fur et à mesure, grâce surtout à quelques-uns des Allemands les plus
dynamique, en particulier un Seidel, c'est dans la photo au centre sur la droite, c'est celui de gauche, qui a accepté d'activer un projet de carte de communauté grâce à son travail aussi, parce qu'il est chauffeur de bus scolaire. Donc, il sillonne toute la vallée pour ramasser et ramener les enfants. Donc, il connaît aussi tous les parents, les personnes âgées, les grands-parents, etc. Donc, ils ont réussi à construire une carte de communauté qui a permis de redéfinir, de comprendre en fait les différentes âmes les différentes micro-communautés à l'intérieur de cette vallée. Cette carte de communauté est une carte online. Chaque habitant qui est intéressé peut avoir le code pour entrer des informations nouvelles ou pour modifier ou corriger. Et là aussi, il y a eu déjà la naissance de la carte de communauté a permis la création d'une antenne écomuséale qui n'existait pas avant dans la Vallée Sainte. Et par la suite, il y a eu toute une série d'activités qui sont nées. Là, je mets les activités dans lesquelles justement la collègue de Clermont-Ferrand, Françoise Cognac, était venue en Erasmus à Arezzo, et on avait organisé des activités avec les Allemands de la Vallée Sainte. Mais il faut dire qu'il y a eu toute une série de projets. Il y en a un qui est né l'année passée que je suis en train d'étudier, qui concerne une coopérative de communauté qui a redonné un dynamisme incroyable à l'ensemble des habitants, des vieux habitants, de nouveaux habitants arrivés, les étrangers venus du Nord, et en même temps les jeunes, les nouveaux habitants, les néo-ruraux qui sont arrivés à partir des années 2000 et qui en fait ont rendu, l'ensemble de ces populations ont rendu assez dynamique cette vallée qui était perdue, oubliée par les hommes et les dieux. Et c'est un exemple assez important de gentrification rurale dans cette vallée de montagne moyenne. Là-bas, 12h30, donc je pense que j'arrête là. Si jamais il y a des questions, je vais répondre.